Bonjour les co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Montréal avec Patrice que je retrouve. On s'était vu il, il y a quoi, il y a un an, même pas Un an et demi peut-être Le temps passe. Le temps passe, le temps passe. <laughs> Écoute, Ça va être vraiment un bon moment avec Patrice parce que la dernière fois on avait bien rigolé. D'ailleurs c'est un peu ton métier quand même, tu es comédien, acteur, hein. tu as commencé au théâtre, c'est ça J'ai commencé au théâtre, théâtre, télévision, il y a 28 ans. Alors, c'est ça, beaucoup de comédies entre autres, pas que ça, mais beaucoup de comédies, oui. Alors, oui. Cette fois-ci, je suis ravie de te retrouver et de parler de ton livre parce que c'est le premier livre qui sort, le premier bébé. Oui. Et c'est quelque chose, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup pris de plaisir à le lire parce que j'aime quand, quand un être humain ose se livrer comme ça, cœur à cœur, se dévoiler. Tu parles bah, de ton homosexualité, euh, de tes crises, de ton anxiété en fait, de tes crises d'angoisse on peut dire, de la drogue, de plein de choses que tu as vécues et de ce qui se passe dans la tête d'un être humain. Et finalement on passe tous, on a tous plein plein de questions et ça peut être des fois tragique mais alors tu as cet humour, tu as cette façon de voir les choses et tu nous parles de cette guérison finalement. Oui. Alors oui, c'est ça. C'est cas de le dire. J'ai écrit un livre et je me livre complètement parce que je mets tout sur la table. Je raconte mon histoire de vie. Voici l'ouvrage guérir à gorge déployée. Alors voilà la chose. Euh, donc je, je raconte de ma naissance jusqu'à mes 52 ans l'an dernier, et, euh, principalement axé sur les troubles anxieux que j'ai vécus et desquels je me suis sorti. Maintenant, je considère que je suis guéri parce que je reprends l'avion, je fonctionne très bien. Avoir le trac, je peux, je peux être nerveux, tout ça, mais globalement, je suis guéri. Je suis euh, sur mes deux pattes, dans mon corps, dans mon cœur et même dans mon cul, je, je, oserais-je oserais dire. <laughs> enfin, dans tout, je, je suis vraiment. Euh, j'ai intégré ces zones d'ombre-là qui me faisaient si peur et avec lesquelles je, je, je luttais. Et euh, j'ai commencé à donner des conférences sur les troubles anxieux. Donc, je suis vraiment dans une, une période de synthèse et de détachement et de perspective. Je, Ouais. En tout cas, ça demande beaucoup de courage de, 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 de t'en parler comme ça. Euh, tu parles de cet épisode, de, de ce joint que tu es en train de fumer et d'un seul coup, de ce côté paranoïaque hein, qui ressort. Qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là C'est quelque chose que tu connais, que tu vivais même, euh, drogue ou pas drogue en fait hein En fait, euh, en 1983, donc j'ai fumé un joint, je suis seul chez moi, euh, les écouteurs sur les oreilles et... À un certain moment, ça a basculé complètement. J'ai eu l'impression que les écouteurs me rentraient dans le crâne, palpitations, sueurs froides. Je me demandais si je faisais une crise d'épilepsie, si j'allais devenir fou, si j'allais mourir. Une impression brutale que le plancher s'ouvrait sous mes pieds. Et c'était le chaos instantanément. Et je, je commençais mon cours à l'École nationale de théâtre et je me disais, bon, il faut plus que je fume parce que bon, j'ai mis ça sur le compte de la drogue. Mais ensuite, par après, à juin, les effets se sont reproduits. Et c'était un long cheminement pour mettre de l'ordre dans ce chaos-là. C'était très long, pas en ligne droite, avec beaucoup d'essais et d'erreurs. Je me suis tapé la tête sur les murs, j'ai été dans les béquilles, la fuite. J'ai eu des avancées, des reculs. Euh, bon, et graduellement, au fil du temps, les choses se sont clarifiées. Mon métier m'a beaucoup aidé. De jouer, de jouer autant ben, m'a permis de transcender le problème et de mettre les mots et des images sur ce mal-là. Donc, j'ai fait un parcours autodidacte de guérison. C'est ce que je sentais au départ. Il fallait que je trouve, que je donne ma propre traduction de ce mal de l'âme et que j'arrive à, à m'approprier. C'est ça, ces ondes d'ombre-là qui me faisaient si peur. En fait, j'ai eu beaucoup plus peur de la vie que de la mort. Ça, c'est clair. Est-ce que, est que tu crois qu'on a tendance justement avec ces peurs-là de, de fuir et d'utiliser d'autres choses Parce qu'on le voit, on vit, on sait qu'il y a un mal-être, mais on veut, ne on veut pas vraiment le voir. Quel est le mécanisme et comment aller au-delà de ça Qu'est-ce que tu conseilles toi maintenant Je constate que l'être humain, tout être humain, tous les êtres humains sont logés à la même enseigne. On a tous un ego. Des talents particuliers, une sensibilité particulière, une mémoire, une famille. Et on est affecté par ces, 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 ces données-là au départ. Et, et au fil du temps, en fait, c'est ça, je, je réalise à quel point, pour en avoir parlé à tant de gens à travers les conférences, tous les êtres humains sont logés à la même enseigne. Je dirais qu'il y, y, y a vraiment des grands axes que je dégage maintenant. La vie, dans la vie, tout est impermanent, tout est mouvement, tout bouge. On vieillit, euh, on change les saisons, enfin, tout n'est que mouvement et impermanence. Or, le mental et l'ego, lui, a des idées fixes. Alors, il y a un problème, parce que s'il y a des idées fixes au niveau mental cérébral, mais que tout est en impermanence, il y a nécessairement un conflit qui apparaît. Et pourquoi a-t-on un ego? Parce qu'on se protège, parce qu'on a été blessé et on cherche à se protéger, à composer dans la vie, parce que la vie peut être très, très agressante, mais on peut s'éloigner de soi. On a tous une nature ou une naissance unique, et l'idée dans la vie, c'est de faire fleurir et de manifester cette différence-là. Or, on vit dans un monde dicté et tyrannisé par la norme. Alors, tout est pareil, tout est gommé, on est à peu près pareil, on pense de la même façon. Alors, l'Égrégor, l'inconscient collectif, a pris le dessus pour nous sécuriser, parce que les gens cherchent beaucoup la sécurité au détriment de la liberté. Et de, de ce qui les anime, de anima de l'âme. Chacun à offrir quelque chose d'unique et de particulier, mais pour toutes sortes de raisons, on est conditionné à gommer cette différence-là et à essayer de fiter, à essayer de faire partie de ce monde-là parce qu'on recherche la sécurité. Mais qui dit sécurité dit insécurité, limite, oppression et l'ego, je l'ai traduit de la façon suivante, ma chère Dis-moi, dis-moi. L'ego, c'est comme la chrysalide avant le, le papillon. Alors la chrysalide, c'est une étape dans, avant le, le papillon. Il y a le cocon, la chenille, la chrysalide, le papillon. Mais la chrysalide, elle est là pour un peu. C'est un incubateur avant que le papillon se déploie. Or, quand on vit comme être humain sous euh, comment dire sous l'emprise de l'ego, c'est comme si on traînait perpétuellement. Et on traînait, on apportait perpétuellement sa chrysalide avec soi en disant, ben, voilà, je suis arrivé, c'est la finalité, c'est la chrysalide. Non, 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 ça marche pas. Parce que c'est comme si l'ego ne comprenait pas le papillon qu'il contenait. qu'est-ce que je contiens, qu'est-ce que je contiens? On est appelé à, 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 à ce que l'ego se déchire pour laisser place à autre chose. C'est un mouvement, tout est impermanent, c'est une transformation perpétuelle de la vie. Quand on cherche à être confiné à un espace clos, à des limites, on souffre. Il y a un malaise et les crises d'anxiété sont le signal d'un conflit, d'un malaise. Donc c'est le signal, un, c'est une crise existentielle de croissance. Mmh. On est appelé à se déployer. Mmh. Voilà, c'est le, le sens de la vie. Oui. On va parler un petit peu plus de, de toutes ces façons que tu as appris de, à guérir hein, ces, ces, ces mots et, et ce mal quelque part. Et donc, ça va nous donner des pistes et je t'en remercie parce que c'est sympa quand quelqu'un d'autre fait le travail pour nous, non <laughs> Mais j'avais envie de parler de tes coups de gueule parce que clairement, tu en as. Tu as des coups de cœur, des coups de gueule dans le livre, des, 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 ces encadrés là. Euh, je me rappelle de celui sur la religion ou des coups de cœur sur la créativité, sur cette liberté. Tu peux nous en parler, ce qui t'inspire là de, Parce que euh, pourquoi tu as voulu faire ça Tu as voulu rajouter quand même. Hein. T as, t as, t as cet esprit qui a envie de, de partager, de faire bouger les choses dans, dans ce monde non Oui, j'aime beaucoup euh, l'expression, la prise de parole. Moi qui étais beaucoup... Euh, qui longeais les murs quand j'étais jeune, qui n'osais pas prendre la parole, maintenant je, je la prends. Alors oui, au, euh, au fil du temps du processus d'écriture avec mon éditrice, elle dit mais euh, tu as quand même des opinions sur différents sujets, t as, t as, des, as des choses qui t'animent, alors ce serait bien que tu... qu'à travers ton livre, ce soit euh, parsemé de, de coups de gueule et de coups de cœur. Donc, entre autres, celui sur la religion, parce que je, je fais maintenant la très nette distinction entre la religion et le spirituel. Pour moi, le spirituel est naturel et le religieux est culturel. Alors tout ce qui est naturel, qui nous anime, euh, ça c'est le spirituel, c'est organique, c'est intuitif, ça, ça nous habite, il y a quelque chose qui veut se manifester, qui, qui, qui nous dépasse, qui est mystérieux, qui est infini. Or, les religions, au contraire, sont un peu comme la chrysalide dont je parlais tout à l'heure. Elles sont là pour nous sécuriser, nous encadrer. Et le propre de la religion, c'est de nous. On devient des clones. On est tous pareils. Il faut se comporter de telle façon, prier à telle heure, s'habiller de telle façon. Moi, ça m'emmerde royalement, mais ça m'emmerde et toutes les religions, pour moi, sont logées à la même enseigne. Et pour moi, il y a quelque chose de très hypocrite, parce qu'il y a un système, le système religieux est très pyrami pyramidal, hermétique. Pourquoi certains, il y aurait des initiés qui seraient à la tête de la pyramide, puis que la masse en bas serait comme un troupeau de moutons qui bêle, puis qui, qui, qui reproduit de façon bête les enseignements de... De la pointe de la pyramide, ça me fait chier. Alors, moi, je dis le spirituel, nous sommes tous des êtres libres, autonomes, responsables de nos propres créations qu'on doit mettre au monde, de mettre au monde les bébés qui, 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 qui veulent prendre l'air, qui, qui veulent respirer et crier. Or, les religions ont le propre. Le, mon Dieu, toujours le, cette tendance de, de nous faire taire, de nous gommer au fil mmh. du temps. Mais je dis, mais c'est dommage, c'est insignifiant, c'est on étouffe. Moi, j'étouffe là-dedans. Mmh. Et les religions se retrouvent non seulement dans l'aspect catholique, musulman, ou appelez ça comme vous voudrez, mais à travers la politique, l'économie, euh, la culture familiale. Alors, ce qui fait qu'on retrouve les mêmes restaurants, les mêmes hôtels, la même musique, ça devient de plus en plus. La planète Terre devient une espèce de vaste civilisation qui se ressemble et qui devient sans goût, sans saveur, sans part. C'est les mêmes, les, les mêmes choses partout. Alors que comme tu nous expliques, en fait, ce, ce, ce papillon qui a envie de sortir, c'est vrai qu'il a ses propres couleurs, il a sa propre façon de voler, il a sa propre façon d'être. Hein. On est tous des êtres uniques, finalement. Et on a besoin, on est arrivé à un moment où on a besoin de retrouver ça. Et les crises d'anxiété pour toi, et en fait, c'est ce passage-là pour arriver à libérer cette, 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 ben, ce côté unique en nous, en fait. Ça. En fait, oui, c'est cette essence. Notre nature veut voir la lumière. Notre essence, nos différences respectives... Euh, demande à, à se manifester. Et donc, la crise d'anxiété, c'est clairement, pour moi, c'est l'ego qui se rebelle contre l'essence de l'individu en disant, écoute, tu as été conditionné, élevé de telle façon et à te comporter dans ton milieu de travail de telle façon. Si tu te déploies, tu vas être stigmatisé, pointé du doigt, tu vas être rejeté. Parce que j'ai lu aussi récemment quelque chose qui m'a beaucoup éclairé. Euh, Jacques Salomé, psychosociologue bien connu, qui disait que les, les six blessures archaïques et fondamentales de tout être humain sont les suivantes. La peur de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice et de l'impuissance. Donc quand on se manifeste à titre individuel, quand on manifeste sa pleine différence, on a peur de ressentir la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et l'impuissance. Ce sentiment tout à coup, cet état de désespoir qui nous ramène quand on est petit enfant puis on, on, on peut pas, on peut pas s'habiller, se nourrir par soi-même et tout ça. Donc on retouche à, à cet état d'extrême vulnérabilité, mais c'est là que, que, que tout prend son sens dans la vie. Vous savez, dans l'être humain dans ces crises d'anxiété, moi j'associe ça. La nature nous donne beaucoup d'images. Un cyclone, mm. les tempêtes. On le voit, le cyclone, c'est un peu la même chose qu'une tempête mentale. Au centre du cyclone, il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone, où tout est calme, où on se retrouve centré. Ça, c'est une image. Il y a l'image du papillon aussi, le mouvement. Il y a l'image également de l'iceberg. On vit dans un monde, pour moi, la civilisation, c'est comme si on, on surfait sur la pointe de l'iceberg. Alors, on s'agite collectivement sur la pointe. Ah, tout ce qui est visible. Et ah, mais il y a toute la la masse qui est dans l'invisible et auquel on, on a plus ou moins accès ou on veut plus ou moins entendre parler. On, on parle des, des intuitions, du rêve, de la création, de tout ce qui est caché et qu'on veut pas voir, mais auquel on a accès dans des périodes de crise, des déménagements, la, ma, euh, la mort, euh, une séparation, peu importe. C'est là où on replonge dans toute cette dimension qui a été occultée, où on... on, on qui habite chaque, chaque être humain. Donc, on, on, on vit une chute à ce moment-là. On descend de la pointe de l'iceberg pour aller dans la masse pleine. Et là, tout à coup, on patauge, on dit Mais oh, je vais mourir, je vais, je vais devenir fou. Mais c'est là où on retrouve son centre. Je reviens à l'image du centre du cyclone. Appelez ça aussi le point zéro. Appelez ça euh, la, la page blanche. Mais c'est dans cet espace où on a l'impression qu'on perd tout. On perd ses repères, on perd ses amis, on perd son emploi. Ou tout à coup, on fait Mais il ah, y a une nouvelle dimension auquel j'ai accès, mais que j'avais occultée parce que j'ai peur de moi, j'ai peur de la vie, j'ai peur de perdre ses repères. Qu'est-ce qu'il qu y a dans ce silence Là, c'est magique. Parle-nous de ces, ces différents éléments de guérison. Parce que je sais que tu parlais de l'œil du cyclone, hein, c'est un peu une façon. Ça, c'est une, une, une chose que tu, que tu, que tu recommandes, non oui c'est ça revenir au souffle en fait aux éléments de notre nature on a revenir au battement de son cœur au souffle au silence au rêve à l'intuition la petite voix c'est à dire revenir à son à son essence à, si vous enlevez si vous vous délestez le plus possible de ce qui vous encombre que ce soit des objets des, des relations toxiques des emplois qui ne vous conviennent plus. Donc, si vous vous délestez, vous allez vous jeter du lest de ce qui vous pèse pour aller vers ce qui vous porte. Le but de la vie, c'est d'aller vers ce qui nous porte sa propre lumière, sa propre légèreté. Donc, ce qu'on traîne qui ne nous convient pas, on n'est pas obligé de traîner de relations toxiques ou des objets ou des emplois qui ne nous conviennent plus. On a beaucoup la crainte de l'inconnu. Pour beaucoup de gens, il vaut mieux un malheur qu'on connaît qu'un bonheur qu'on ne connaît pas. Alors, ça, c'est une des maximes que les gens traînent, consciemment ou pas. Mais, L'idée, c'est de se délester, de, de se redonner un espace personnel et intime pour se retrouver. C'est tellement facile de se perdre dans ce monde-là. Il y a plein, plein, plein d'occasions de se perdre. On vit dans une civilisation qui carbure à l'ailleurs meilleur. Alors, on, on, on anticipe le futur, on a la nostalgie du passé, mais le moment présent, on parle jamais du moment présent. Alors, on s'agite, on s'agite. Jusqu'au jour où il y a une crise, quelle qu'elle soit, que ce soit la maladie physique, psychologique, une séparation ou peu importe, une perte d'emploi, la mort d'un proche, et là, pff, on retombe dans ses souliers, on se dit, ça va pas, j'ai vu une crise majeure, mais dans cette crise, c'est l'occasion de retrouver une croissance et un déploiement mmh. supplémentaire. Tous les êtres humains sont logés à la même enseigne, je reviens toujours à ça, l'ego la peur de manifester sa différence, la, la peur de la mort, la peur de la vie, la peur d'avoir peur, la peur de, de sa sensibilité. Mais c'est vaste la vie. Et, et je me dis aussi, qu'on regarde un ciel étoilé ou, ou au microscope, euh, peu importe un objet, il y a, il y a, la vie est faite de 95% d'espace, de vide, de vide apparent. Mais dans le vide, le vide, c'est un vide apparent, mais il y a plein de choses. Il y a l'intuition, il y a la... Cette page blanche, ce, ce, ce vertige auquel on a accès qui... Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est la vie en dehors de... Oui, on vit dans un monde de formes, d'idées, d'objets, d'images, de... mais enlever tout ça, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui nous anime qu Le cœur qui bat, c'est un mystère. On... Qu'est-ce que c'est la vie Parle-nous de, de cette attirance qui y a eu assez jeune pour, pour les hommes et comment tu as vécu ça Est-ce que ça fait partie de cette anxiété Quelque chose que tu sentais en toi qui avait envie de s'exprimer Il y a eu cette pièce de théâtre, j'ai lu, une des premières pièces de théâtre où tu voulais jouer le rôle d'un homosexuel mais tu n'avais même pas toi-même passé ce, ce, ce cap-là. Est-ce que ça a vraiment fait partie de, de, de ces crises d'anxiété pour toi, de ce, de ce mal-être Quelque chose que tu avais vraiment besoin, envie d'exprimer mais tu savais pas comment, il y avait pas trop de place peut-être pour ça j'ai été longtemps, on dirait que toute ma vie était conditionnée par la, la dualité, la division, la culpabilité, le chiffre 2. Je, je, je suis né au Québec d'une famille française, donc deux cultures. J'ai été attiré par les femmes, j'ai eu des, des copines, mais également par les hommes, euh, par la réalité, mais aussi le paranormal. Donc ma vie, a, en fait, mon processus de guérison, dans mon processus de guérison, il fallait que je fasse la synthèse et que je. Je, je remets tout ensemble, cette dualité-là, cette culpabilité, cette division, cette polarité, ces extrêmes. Il a fallu que je retrouve l'équilibre, le centre. Oui, l'homosexualité est apparue relativement jeune suite à. J'avais une copine quand j'étais tout jeune, puis qui. Euh, avec laquelle, finalement, ça, ça a pu fonctionner. Euh, Là, tu t'es fait choper, hein? Je me suis fait choper par son frère qui nous avait surpris à travers, à travers la serrure en train de nous embrasser. Puis j'ai complètement figé. J'avais l'impression d'être condamné. Et je me suis refermé, littéralement. Ensuite, euh, j'ai cherché, donc, l'aspect masculin à l'extérieur. Probablement l'aspect yang. Parce que moi, je suis très yin au départ. J'ai je, je beaucoup de sensibilité un peu plus féminine, on va dire. J'avais besoin du côté masculin aussi qui, qui faisait défaut au départ, probablement. Et... Euh, donc, d'intégrer cet aspect-là de moi, ce pas évident parce que j'avais peur de la, la réaction de mes parents. Euh, ou, quand j'aurais parlé au départ, il y avait un, un certain malaise. Par la suite, ils ont, ils ont accepté. Euh, mais et on vit dans un monde, même si en Occident, au Québec, bon, il y a quand même une certaine acceptation, mais c'est pas encore gagné puisqu'il y a encore des combats qui se, qui se font à ce sujet-là. C'est encore perçu comme normal, on est dans un monde dicté par la norme, donc d'afficher son homosexualité, on le sait, et même dans le milieu dans lequel je suis, milieu artistique, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le placard, comme on dit, donc ça a été long avant que j'accepte ça, et maintenant oui, je, je l'affiche ouvertement, et, et en fait d'afficher ses pleines couleurs, c'est pas facile, ça demande du courage, d'afficher tout ce qu'on est, ce qui nous différencie chacun. Et ça, ça, ça participait de ça, l'homosexualité, parce que, bon, c'est pas normal, c'est pas dans la norme. Il faut que ce soit un homme, un papa, une maman, un enfant. Etc. Oui, tant mieux, ça se peut, mais il y a autre chose aussi. Mmh. Est-ce bon. que tu conseilles pour quelqu'un qui, qui a quelque chose à dire comme ça ou à expliquer à sa famille, que ce soit l'homosexualité ou autre chose qui peut, qui peut être difficile ou mal acceptée par d'autres de la société? Comment... comment, comment... Est-ce que tu conseilles pour faire face à ces crises d'angoisse, peut-être ces crises d'anxiété, euh, de, de s'exprimer d'être pleinement nous-mêmes? Un des principes de, de l'évolution et de la transformation, c'est nécessairement d'avoir le courage de faire face à ses peurs, de faire face à soi. Ça, ouais. On peut les fuir, je les ai beaucoup fuis moi-même, on peut les geler, on peut les, mais elles vont toujours nous rattraper. Donc c'est le signal, qu il, y a, il y a une dimension de soi qu'on a mis de côté, mais qui nous rattrape un peu comme un, un élastique. On tire, on tire, mais pouf, ça nous revient en plein visage. Par rapport à l'homosexualité, entre autres, il y a maintenant des lignes d'écoute téléphoniques, il y a des sites Internet, il y a des sites de rencontres, il y a des sites d'échanges. Il ne faut pas avoir peur, en fait, on, va, on peut avoir peur. Il faut, faut se donner le courage, peut-être de le mettre sur papier pour soi au départ, ensuite d'appeler des amis, des proches, d'appeler de, des, des organismes qui s'occupent de ça, qui vont, vous, qui vont avoir une oreille attentive, mais de faire les premiers pas. La chose la plus difficile, c'est de faire le premier pas dans tout. Parce qu'on se dit, mais je vais mourir, je vais, je vais, je vais perdre, je vais échouer, nécessairement. Or, quand on fait le premier pas, le deuxième est moins difficile, graduellement. C'est ça, c'est de se remettre en mouvement. Quand on est cristallisé par la peur, parce que la peur, c'est de la glace, quand on, on accorde de l'attention et de la présence à ce qui nous fige, ce qui nous terrifie, ce qui nous glace, on remet un peu de chaleur et de présence et d'affection. Et là, ce qui était de la glace devient un peu plus liquide et. À la longue, un peu plus gazeux, subtil, c'est de mettre de la chaleur, de faire fondre ces mmh. peurs. Ça demande une action, une présence, même une petite action, un premier pas, mais il faut le faire. Mmh. C'est un peu un, un voyage initiatique. Hein. Tu, tu as changé quand même en un an et demi. Là, je vois le changement, c'est flagrant. Le fait d'écrire, c'est de, de passer par toutes ces étapes-là, les, co les conférences. Tu t'es libéré encore à un autre niveau. Oui, je donne des conférences c'est ça depuis un an et demi. Les choses se sont faites en accéléré. Euh, j'étais allé dans un quiz, bon, j'en fais beaucoup, j'aime ça, et euh, j'ai vu une, une personne qui est devenue une amie et qui m'a mis en contact avec une agence de conférenciers parce que je lui ai dit « j'aimerais partager mon expérience euh, euh, liée à l'anxiété, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un docteur, mais je l'ai vécu, je suis passé au travers » et elle m'a mis en contact avec cette agence-là qui, cette agence m'a mis en contact avec la maison d'édition, les éditions de l'homme, et les portes se sont ouvertes, alors j'étais prêt, j'étais mûr et la vie s'est chargée du reste. J'ai commencé à donner des conférences. J'en ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, mais en cinq fois, j'ai pris du galon. Et il y a une portion où il y a un échange avec les gens ensuite. Et c'est formidable parce que ça me le confirme. Les gens vivent, mais portent en eux ce bagage de difficultés, de, 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 difficulté, de, de peines, d'entraves. De, de, et ils ont besoin de partager, d'entendre ça, d'entendre que quelqu'un d'autre l'a vécu. Et, et j'ai donné, entre autres, une conférence. Un groupe de gens dont la moyenne d'âge était de 65 ans. Il y avait un monsieur de 92 ans qui était assis dans la salle. Un, un autre monsieur à la pause qui est venu me voir, il y avait peut-être 65 ans. Il m'a dit J'ai vécu, je te comprends, j'ai vécu la même chose que toi, mais à l'époque, je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait le poids de la religion qui nous culpabilisait. <laughs> bravo la religion, bravo la religion. Il dit Maintenant, il dit euh, Ça fait du bien d'en parler et tout ça. Donc, euh, alors il n'y a rien comme l'expression. Vous savez, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors, quand c'est imprimé, c'est terrible, il faut l'exprimer. Mmh. J'aimerais finir sur une petite note sur tes coups de cœur. Oui. Les coups de cœur, j'en ai plusieurs. Euh, la création, évidemment, le, la prise de parole, la langue française que j'aime beaucoup. Euh, le silence aussi. On a besoin de silence, même si ça ne semble pas apparent à l'interview parce que je parle sans arrêt. Mais, mais, mais j'aime le silence. Le soir, quand je me couche, je fais le vide, je retrouve le, le point zéro, le. Le battement du cœur, puis je me laisse inspirer simplement. Vous savez, on parle d'inspiration, c'est pas pour rien. Inspirer, euh, expirer, inspirer, euh, aspirer à quelque chose, c'est lié au souffle, le souffle de la vie. Alors allons-y, retrouvons son souffle, son cœur, son essence, parce que tant qu'il y a une, un clivage entre l'agitation ou le rythme de nos pensées et ce qui, le battement de nos cœurs, et de notre souffle. Alors il y a un conflit. Il faut, faut retrouver l'harmonie. Vous savez, il y a deux choses dans la, la vie qui ne mentent pas, c'est la nature et la musique. Il y a des conflits, des crises d'angoisse quand il y a quelque chose de dissonant. Qui dissonance dit fausseté. On le sait, on le sent quand quel, quelqu'un est faux. Quand quelqu'un est faux, ça veut dire que quelqu'un n'est pas vrai. Quelqu'un est, il y a une disharmonie. Donc euh, la musique, la musique ne mange jamais. Quand ça fausse, on le sait tout de suite. Et même chose pour les gens, le contexte de travail dans lequel on va évoluer, la famille, peu importe. Quand ça fausse, on le sait tout de suite. Alors il faut corriger le tir, retrouver l'harmonie, retrouver sa nature, là où c'est totalement vrai. Mmh. Donc guérir à gorge déployée. Hein. Oui. C'est ça, c'est... C'est se libérer de ses entraves parce que la vie nous demande d'être soi à part entière, et, et je, je le dis, je ne suis pas arrivé quelque part, mon chemin d'évolution se poursuit, je me transforme, je continue, et c'est un voyage, le voyage vers soi, et, et la vie nous demande d'être différents, sinon, sinon, on serait, on, on serait tous pareils, on est tous différents, on est tous uniques, alors pourquoi vouloir être comme tout le monde, c'est une souffrance incroyable, il n'y a, a rien de pire, arrêtons de vouloir être comme tout le monde, soyons soi-même, même, même si ça demande du courage. Mm. Merci beaucoup. Merci, Lilou. J'ai adoré cette interview. J'espère que vous aussi. Et si vous l'avez aimée, bah partagez-la. Parce que c'est ça, est, est ça qui nous permet aussi d'évoluer de, de, bah de, de, et puis d'aider, de s'aider de de les uns les autres. C'est important. Dans ce... Et je reviens voilà. à ce que je disais tout à l'heure délestez-vous de ce qui vous pèse. On le sait tout de suite quand quelque chose nous pèse pour aller vers ce qui nous porte. Même si ça demande du courage encore, mais de faire le ménage de couper des relations qui ne vous conviennent plus, de changer de travail éventuellement, même si vous avez peur, il y a toujours une peur, c'est sûr qu'il y a une peur, mais allons-y, c'est ⁇ wow ouais, ouais, ⁇ C'est un tout nouvel espace après dans lequel on rentre. Et sortir aussi du triangle bourreau, victime, sauveur. Vous savez, l'ego le, procède toujours de la même façon. Ouais. On s'accroche à un sauveur, on s'accroche à, à, à un bourreau, et on est... Toujours en réaction, on est victime. La meilleure façon de sortir de ce triangle infernal, c'est d'être créateur. Quand on est créateur, on devient non plus en réaction, mais en action. On ne cherche plus un bourreau ou un sauveur, mais on devient responsable. Donc, on a l'habileté à répondre et on devient créateur libre. On s'affranchit de nos entraves, de nos attaches, de nos aliénations et on retrouve sa liberté. Et c'est tout un voyage qui commence. Liberté d'être. Ça me donne envie de, 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 de voler. Hein? On vole. On vole et en même temps, on est complètement dans l'ancrage. Voilà. Merci, Patrice. C'est Lilou. Merci. Gros gros bisous Merci. à vous tous. On vous embrasse de Montréal au Québec.